Bon, allez, on se retrouve cet après-midi pour le deuxième épisode. Et du coup, on va y aller tout simplement. Alors, bien sûr, quand on quitte la partie et quand on revient, eh ben, il se passe que il faut tout remettre. Donc, tout ce qui est en automatique s'arrête. Hein. On va voir ce que ça donnera quand même l'autre outil que j'ai acheté là. Hop, ici. Ouais, c'est comme ça qu'il faut que je tourne. Hop. Alors je mets pas la manette, malgré que maintenant je sais comment afficher la carte en grand. En fait, il suffit juste. On va l'activer, elle va s'activer tout seul. Ok. Tiens, ça me pendait au nez aussi. Oh, mais c'est parce que c'est fait, c'est pour ça qu'il voulait pas faire. Par contre, ça a l'air d'être plus réactif. Donc avec celui que j'utilise là, qui est un truc en Wi-Fi. Niveau temps de réponse, c'est bon. Par contre, l'image plante. Alors. Avec celui-ci, on était arrivé pour le vider. Donc on va aller tout simplement le vider en haut au niveau de la ferme. Hop. Alors peut-être que la qualité sera mieux avec l'autre câble que j'ai pris et l'autre module que j'ai pris. Hein. Qui me permettra de mettre directement en USB-C vers HDMI. Je sais pas ce que ça donnera. Mais on verra. Et on saura vite fait. Une prochaine fois que j'enregistre. Pour le prochain enregistrement, c'est ce qui va se passer. On utilisera ça. C'est dans l'autre sens pour dézoomer. Hop. Sinon le jeu est bien, hein. Mais c'est juste que là l'enregistrement c'est pas terrible pour l'instant. Au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être que ce sera mieux. Parce que là les textures sont à moitié chiant, chelou là, et puis c'est pas terrible je trouve. Donc cet après-midi on finit la moisson. Je sais pas si je continue de déchaumer. Parce que là, il restera ce champ à déchaumer aussi. À la limite, après, avec l'autochargeuse, ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est ramasser la paille. Et aller la vendre à la grange. Donc pour le petit morceau qui reste, tant pis. Hein. On va pas s'emmerder. Donc celui-ci qui est terminé, on va aller le mettre tout simplement bah nulle part. Si ou alors on le met à pulvériser les champs en attendant. Je sais pas qu'est-ce qui lag en fait, qu'est-ce qui fait que ça lag comme ça. Hop. Donc on va mettre celui-ci en place là-haut. En tout cas, les tas sont un peu comme dans FS19, c'est-à-dire que
C'est plus une simple texture comme il y avait dans le 18. Parce que jusqu'au 18, je pense que c'était un peu comme dans le 15. Voire. Parce que depuis le 18, voire depuis le début sur mobile, j'ai l'impression que c'est comme. Alors on va dire le 15, je crois que c'était encore pareil, c'était encore de la texture, la paille. Et après, à partir du 17, ça a commencé à être l'état où on pouvait vider par terre. Donc je pense que pour moi, ils ont fait un peu une amélioration là-dessus aussi. Tac. Allez, on va lancer celui-ci en automatique. Tac, c'est parti. Ok. Alors, on en est où? On est au 3. Ouais, parce qu'à la moitié. Ah, ça fait bizarre de jouer à un jeu sur portable, franchement. Mais alors, graphiquement, sur le portable, ça rend bien. Mais par contre, sur l'ordi en ce moment, c'est pas terrible là. Par contre, j'ai envie de faire un truc. C'est le semoir là. Il est où là? Il est là. On va juste l'enlever de là. Parce que j'ai l'impression qu'il va nous enquiquiner un petit peu de là où il est. On va le mettre en haut. À la limite, on devrait même peut-être le mettre là-bas. Alors l'herbe, c'est celui-là. Donc le champ de là-bas, il sera en herbe. Donc maintenant, l'herbe, c'est un peu comme FS17, bah, comme le FS sur PC. C'est-à-dire qu'on la sème et je sais pas ce que ça donne après. Hop, toi, freine. Je pense que le plus simple en animal, pour l'instant, et ce qui va nous rapporter vachement d'argent, c'est les chevaux. Ça, je peux vous dire. Parce que sur Farming, sur 19, hein, sur le 19, les chevaux, quand il n'y a pas le mode saison, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est à fond au niveau de leur forme physique, on va dire ça comme ça, et ben on les revend vachement plus cher, c'est-à-dire dans les 50 000. Donc c'est quand même pas mal. Chargeur à côté de moi, tiens. Ça tombe bien, j'en ai besoin. J'ai moins de 10% de batterie. Alors on va pas chier dessus là. Hein. Hop. Voilà. On sera tranquille jusqu'à la fin. Non, ça lag autant. Non, c'est pas que ça lag, c'est que ça envoie. Une bonne qualité, une mauvaise qualité au niveau du machin. En plus, c'est par connexion. Alors, c'est par comment on appelle ça? Connexion Wi-Fi. Donc, du coup, c'est un peu plus long. Mais bon, normalement, pour la prochaine fois, pour les prochaines vidéos, on sera de meilleure qualité. Oh là, oh là. Ouais. Alors. Désolé hein, si ça s'affiche pas bien. Ah. Hop.
Stop. Hop. On va attendre que ça vide entièrement. Et une fois qu'on sera vide, que la machine sera vide, on ira se mettre sur le côté et on attendra que ça finisse. Et on ira prendre l'autre tracteur pour finir tout simplement de faire ce qu'on a à faire. Ok. Mais bah attends, là, je sais, mais... Allez, je me barre. Vas-y, tu peux continuer. Mais quand même la moitié de la machine, hein, elle est remarquable. Alors, ici, celle-ci, on va la laisser, et nous... Et pourquoi il a pas continué? Bon bah tant pis, hein, on va le mettre en auto. Hein, D'accord. Bon bah si c'est comme ça, hein, écoute, je vais finir moi-même, hein, le champ. C'est tout. Hein. Je sais pas si ça fait comme FS20, FS18. C'est-à-dire que ça n'écoule l'engrais que quand on est sur le champ. Mais comme on ne sait pas, comme on n'a pas vu encore. Mais bon, j'ai pas envie de. Hein. Tac. Allez, fini. Pouf. Hop. Alors du coup, bon, on va aller faire le deuxième champ pareil. Alors si ça lag c'est normal, hein, mais pour la prochaine fois j'espère que ça ira mieux avec le câble de connexion que j'ai trouvé. Hop, on va se mettre là-dessus, on va faire ça. Je sais pas de quelle longueur c'est vraiment. Allez, vas-y. On arrive à s'arrêter tout de suite et puis il va reprendre après. Non, ça sera. Bah non, même pas. Il va y aller tout de suite. Très bien. Alors, elle est à. Même pas un quart de remplissage. Donc, on va attendre un petit peu. Et une fois que celle-ci aura terminé, et ben, on fera autre chose. De manière. Je pense que le prochain câble que j'aurai, là, ça sera mieux, je pense. Bah, j'espère. Hop. Donc après la moisson, donc on terminera de déchaumer. Bah, on fera le déchaumage de ce champ avec le tracteur. Qui a actuellement la l'épandeur à fumier à liser l'épandeur à chaud, pas à chaud mais à fertilisant, donc engrais solide. Comme ça, ça nous permettra en même temps d'aller faire la vente des produits qu'on a dans le silo. Comme ça, on va tout simplement se faire un peu d'argent, et l'argent qu'on aura récolté, qu'on aura gagné, va nous permettre de voir pour acheter des véhicules. Alors on va peut-être commencer par s'acheter si possible. Le mieux c'est de s'acheter donc l'auto-chargeuse. Chargeuse, peut-être tout ce qui est matériel pour faire avant de s'acheter
les chevaux et la remorque à la bétaillère pour les chevaux, donc la remorque, le camion, le truc de transport, hein, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je sais même plus comment ça s'appelle en vrai. Ça porte un nom, hein. Mais bon. Bah ouais, la remorque de transport pour animaux, pour chevaux, quoi. C'est pas trop une bétaillère, parce que la bétaillère c'est plutôt pour les autres animaux. Donc d'abord on va faire les chevaux, parce que les chevaux, on verra pour s'en acheter le maximum qu'on puisse acheter. Si possible, un cheval de chaque machin. Et puis on va les faire monter en forme physique. Et dès qu'ils seront assez hauts, on ira les vendre. Enfin, on ira les revendre, quoi. Ouais, c'est bon, ça va être récoltable. Donc là, tous les champs vont être à fond comment on appelle ça? Pas en récolte, mais en fertilisant. En fertilisant, en fertilisé, ils seront à fond en fertilise. Donc en engrais et tout ça. On va attendre qu'elle passe, ouais, qu'elle fasse demi, qu'elle soit de l'autre côté. Et l'autre, il a fini quasiment, non? Ah bah, il va faire les deux champs en même temps, lui. Là, il est parti pour faire les deux champs. Si on regarde là, voilà, il est en train de faire les deux champs. Ce qu'on va faire à la limite, on va attendre qu'il s'arrête. Est-ce qu'il va s'arrêter tout seul? Non, alors on l'arrête. Hop. Et on va le mettre de côté celui-ci. Et puis on va commencer. On va peut-être pas tout de suite lancer, quand même, parce que le seul problème qu'il risque d'avoir, c'est que ça risque de planter. Enfin, le tracteur, il risque de se planter tout seul. Et c'est pas l'avantage, c'est pas le but non plus, hein. Donc on va le mettre de côté l'épandeur là. Tac, on va le poser là. On va mettre la presse de la herse rotative. Si j'évite de la prendre. Oh là, oh là, oh là, oh là. Merde. Oh merde, il est là. Hop, allez. Hop, nickel. Bon, on va finir sur une bonne note. On va réussir à faire quelques trucs. Celui-là, on le lancera peut-être la semaine prochaine quand on aura fini la moisson. Je ne n'avancerai pas la partie, je ferai comme FS20, FS18. Hein. La partie, je l'avancerai que en vidéo. On va le stopper là, lui. On va monter dans la machine et normalement. Ouais, il est en train de faire son demi-tour, donc nous, ce qu'on va faire. On va se mettre en place. Alors, niveau son, image, on est bon. Par contre, niveau image, moyennement. Niveau qualité image, c'est pas terrible quand même. Mais ça va changer, à mon avis. Je vais voir ce que ça donne, combien ça rend, point de vue
avec le truc que j'ai acheté. On va attendre qu'elle fasse demi-tour. Et bien sûr, on va être plein. Ben, la remorque va être pleine, à mon avis. Franchement, le jeu est pas mal. Graphiquement, il est beau quand même. Y a rien à dire là-dessus. Mais c'est pas le jeu qui va pas, en fait. C'est la liaison entre mon portable et mon ordi qui est pas terrible. Mais je vais m'améliorer. Bah, j'espère pour la semaine prochaine que je vais m'améliorer quand même parce que. Aïe, 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 stop, stop, stop. Alors, ça pixelise, mais c'est normal. Mais normalement, pour la prochaine fois, ça pixelisera plus. Et bon, on va faire une remorque pleine. Allez. Mais ça, c'est grâce à avoir fertilisé le champ, en fait. Dès qu'on met du fertilisant sur le champ, ça augmente la productivité. C'était vrai dans FS18 déjà, donc bon. À mon avis, on est bientôt plein. Mais la machine est pleine et pas remplie, elle est très bien, elle est vide. Du coup, ça vide directement dans la remorque. Allez, on va vider ça. Direction le silo. Par contre, pour vendre, pour vider les remorques. Il n'y a plus d'automatique, donc ça veut dire que quand on doit les vendre, on doit faire la route pour aller vendre. Alors qu'avant, on pouvait mettre en automatique. Par contre, maintenant c'est un silo, une buse de vidage pour tous les silos, pour tous les types de cultures. Parce qu'avant, depuis le début, donc depuis le premier FS mobile, il y avait un truc de vidage, mais il y avait pour la remorque, pour vider la remorque, on vidait dans un truc, et par contre, il y avait autant de buses de vidage, autant de triggers de vidage qu'il n'y avait de culture. Donc là, ils ont mis un truc centralisé et on choisit ce qu'on veut, un peu comme dans FS19. Je dirais même un peu comme FS17 parce que c'est à partir du 17 qu'on a eu ça. Même avant, même sur PC, ça a toujours été comme ça. Mais là, c'est la première fois sur mobile. C'est pas pour ça qu'on peut vider par terre. Donc après, on va ranger la moissonneuse. Hein, on va la mettre de côté à la ferme quelque part. Et on se chargera, donc du coup, on mettra la herse sur ce champ pour enlever, pour déchaumer le champ parce qu'on n'a pas besoin. Et on ira avec celui-ci vider tout simplement les silos. Alors, c'est pas aujourd'hui, ce sera pas cette semaine, mais ce sera dans l'épisode prochain, dans le prochain épisode, donc de la semaine prochaine. Comme ça, au moins, on avancera. Donc on a quasiment fini le champ ici, c'est bien. On a eu le temps de finir de faire le champ sur deux épisodes. Par contre, faire trois champs sur un épisode, ça risque d'être un peu short. Mais on verra ce qu'on fera. Donc on va attendre tranquillement. Donc là, tous les champs sont
travailler. Donc le troisième a été récolté. Ce qui est bien, c'est que maintenant on a les numéros des champs. Parce qu'avant, je devais me créer en fait une carte. Je m'imprimais une carte avec les numéros dessus. Et ben maintenant, sur FS10, sur FS20, on a des numéros de champs. Donc à la limite, ça sera moins chiant. Depuis le temps qu'ils devaient nous mettre des numéros de champs. On va peut-être attendre quand même. On va voir qu'est-ce qui. Bah, bien, je vais terminer l'épisode là. On va arrêter là-dessus. On va se dire du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. L'épisode, le prochain épisode sur Farming 10-20, du coup, on aura normalement. Je ferai avec une nouvelle. Un nouvel outil. Je sais pas ce que ça va rendre. Ce que ça va être. Comment ça va être. Mais ça sera un nouvel outil. Du coup, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être une meilleure qualité. Je sais pas, mais je l'espère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même finir la moisson pour aujourd'hui. Parce que sinon, ça va être chiant et puis on verra que ça. Et comme ça, la semaine prochaine, on... je ramasse la moissonneuse. Et je prévois la remorque et de vendre au plus fort les cultures qu'on a dans les silos. Comme ça, on va se faire un peu d'argent et ce sera plus facile pour nous. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Donc, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Allez, ciao ciao et à la semaine prochaine.